Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette conférence virtuelle de Frédéric Lefebvre, organisée avec les moyens du French District. Nous sommes très heureux de tous vous accueillir. Vous êtes très nombreux. Très heureux d'accueillir évidemment Monsieur le député. Et nous le remercions chaleureusement. C'est la première web permanence virtuelle qui est organisée par un parlementaire. Donc là aussi, on est très fiers et on est aussi, j'espère que vous allez en profiter parce qu'on est fiers d'avoir réuni tous ces moyens avec Frédéric Lefebvre ainsi que le Hub Institute, qui est un think tank digital qui accompagne les grands groupes au niveau international, notamment en matière de formation, conseil stratégique, networking et de veille. Et c'est ce Hub Institute qui accueille Frédéric Lefebvre. Donc, en deux mots, Frédéric Lefebvre, vous le savez tous sûrement, c'est le député de la première circonscription des Français établis hors de France, USA et Canada. C'est également, il a été chef d'entreprise, c'est également un avocat au barreau de Paris. Et bien évidemment, vous le savez aussi tous, c'était un des ministres du gouvernement Fillon III en charge des PME, du commerce, de l'artisanat, des professions libérales, des services et de la consommation. La thématique de cette conférence aujourd'hui est donc les services consulaires et la fiscalité des Français d'Amérique du Nord. Donc deux thématiques qui intéressent beaucoup de monde et c'est pour ça que vous êtes nombreux. Et maintenant, je laisse la parole à Frédéric. Je reviendrai pour les questions. Merci, monsieur le député, d'être avec nous. C'est à C'est vous. moi qui vous remercie. Merci Romain, merci French District, parce que c'est vrai que c'est pour moi formidable qui suis environ 10 jours par mois dans la circonscription, dans toutes ces grandes villes au Canada, aux États-Unis, à la rencontre des Français, qui fait des permanences, puisque je les fais quand il y a des consulats au consulat, à l'ambassade, dans nos deux ambassades. Je le fais aussi parfois dans des cafés, dans des hôtels. Quand il y a des consuls honoraires et qu'il n'y a pas de lieu dédié pour la France. Et grâce à vous, je crois que c'est une première aujourd'hui, vous l'avez dit, on va avoir l'occasion de faire cette web permanence dans une circonscription, il faut le dire, qui est quand même assez particulière. Parce que d'abord, il y a de plus en plus de Français qui y vivent. 212 000, presque 213 000 Français inscrits sur les registres cette année, c'est-à-dire une augmentation de 4,5% par rapport à l'année dernière, et qui a augmenté 3,5% aux États-Unis, de près de 6% au Canada, c'est-à-dire de plus en plus de Français. Je ne parle pas évidemment de ceux qui ne sont pas inscrits, qui sont très nombreux, on les estime 2 à 3 fois plus nombreux. Des permanences physiques, c'est déjà plus de 40 depuis que j'ai été élu, que dans toutes les grandes villes des États-Unis et du Canada, j'ai pu faire, mais compte tenu de la superficie de ma circonscription, 40 fois la France, finalement cette permanence virtuelle s'imposait comme un excellent complément pour répondre aux questions que beaucoup de Français se posent, que beaucoup de Français aimeraient me poser, mais que de nombreux Français n'ont pas l'occasion de le faire parce qu'ils ne peuvent pas venir le jour où je fais ma permanence physique ou parce que je ne suis pas passé à ce moment-là, au moment où ils se posaient la question dans leur vie. Donc, cette activité de député, elle m'amène à vous écrire à tous régulièrement. Je vous envoie des emails, des courriels pour le Canada qui sont
au minimum une fois par mois, souvent plus, mais j'essaye de le faire uniquement quand il y a des sujets importants qui vous concernent, où la loi française a été modifiée, où les dispositions ont été prises, et où je pense qu'il est de mon devoir de vous informer, et puis je réponds avec des centaines de réponses par mois aux emails qui me sont adressés par nos compatriotes sur les enjeux fiscaux. Ça peut être évidemment les questions qui concernent l'immobilier et avec la CSG, CRDS. Je ne doute pas que vous allez recevoir beaucoup de questions sur ce sujet puisque à chacune de mes permanences, c'est un des sujets sur lesquels je suis interrogé, d'autant que je me bats sur ce dossier depuis le départ. Mais la redevance télévision, parce que de nombreux Français ne comprennent pas que payant la redevance pour la résidence qu'ils ont en France, il n'est pas accès, ça serait un minimum, au replay des émissions françaises, les questions de déduction de charges, enfin vous voyez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets pour lesquels nos compatriotes vous posez des questions, sur lesquelles je suis amené moi régulièrement à intervenir à l'Assemblée nationale. Quand nous sommes sur la discussion du budget, c'était le cas il y a encore quelques jours, ou la loi de financement de la sécurité sociale. Et puis, autre sujet sur lequel je suis souvent évidemment interrogé, c'est le décalage du service qu'offre notre diplomatie, les services consulaires, par rapport aux attentes de la communauté, que ce soit sur la question des horaires, sur la question des agences consulaires, sur la question des passeports, sur la question du permis de conduire, c'est-à-dire finalement ce qui fait la vie quotidienne et le lien entre les Français et la France. Ces Français qui sont installés nombreux au Canada et aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure. Voilà. Donc, je ne veux pas faire d'introduction trop longue. Je pense que c'est important, si vous avez, Romain, déjà des questions, que j'essaye de répondre aux questions que posent les Français. Je ne sais pas si vous en avez reçu déjà beaucoup. Oui, oui, on en a reçu, Frédéric. Je rappelle à tout le monde que la façon d'envoyer vos questions, c'est envoyer un email à conference@frenchdistrict.com. Nous les regroupons selon les thèmes, bien sûr. Et de toute façon, elles sont toutes retransmises à Frédéric Lefebvre et à son équipe qui les traitera. Voilà. Oui, j'en profite, Romain, pour dire à chacun qu'évidemment, s'il y a des questions très précises sur la situation des uns ou des autres, n'hésitez pas et je n'évoquerai pas, par respect évidemment pour les problématiques que chacun vit, je ne les évoquerai pas là comme ça en public, mais je répondrai à chacun par email bien sûr, comme je le fais toujours, en essayant d'être le plus à l'écoute possible des questions précises qui me seront posées. Alors, on a de nombreuses questions qui tournent toutes autour du même sujet, la CRDS pour les Français à l'étranger. Alors, je ne vais pas toutes les lire parce qu'elles tournent à peu près toutes de la même façon, mais je pense que, Frédéric, vous pourriez en parler. Oui, c'est un sujet qui est un sujet alors, qui préoccupe à juste titre beaucoup de nos compatriotes, qui est un sujet qui, pendant longtemps, est resté très ésotérique pour beaucoup parce que c'était dans le débat. Notamment en 2012, on savait que le gouvernement voulait mettre en place ce qu'il a fait, le paiement de la CSG, c'est-à-dire finalement CSG et toutes les autres taxes sociales pour nos compatriotes qui vivent à l'étranger, partout dans le monde. Mais les Français ne mesuraient pas nécessairement l'impact que ça aurait sur eux. Donc c'était un débat qui finalement était assez éloigné de leurs préoccupations. Je me souviens, il y a quelques mois, quand je l'évoquais avec beaucoup, il y avait surtout des interrogations. Maintenant, c'est devenu une réalité, puisque les gens ont reçu leurs avis à payer. Et donc, les Français qui ont un bien immobilier en France, qui soit décident de le louer, donc ils ont des revenus fonciers, ils ont vu généralement les sommes à payer augmenter de l'ordre de 100%. Et quand ils décident de vendre, la plus-value est imposée sur la CSG et toutes ses taxes.
Ce qui fait que le niveau, je ne rentre pas dans le détail, mais quand on additionne toute la fiscalité sur la vente pour les Français qui vivent aux États-Unis ou au Canada, le niveau d'imposition, il est à 50%. Et donc, évidemment, il y a deux raisons majeures qui font que je me bats contre ce dispositif qui a été mis en place en 2012. La première raison, c'est que c'est absolument injuste de faire payer des taxes et des cotisations qui servent à financer la protection sociale, alors même que quand on est français, qu'on vit aux États-Unis ou qu'on vit au Canada, on est sous protection sociale du pays d'accueil. On n'est pas sous protection sociale de la France. Donc il y a une injustice. Et puis, il y a une deuxième raison, c'est qu'on est sur un domaine où, comme tout le monde le sait, il y a des conventions entre la France et le Canada ou entre la France et les États-Unis, des conventions de non-double imposition. Et qu'on est sur une matière où, notamment aux États-Unis, ça a été confirmé par une taxe courte. J'en ai moi-même d'ailleurs informé le gouvernement français, qui n'était pas au courant. Ce n'est pas le cas au Canada, mais c'est le cas aux États-Unis. Les autorités locales refusent de considérer que dans les conventions de non-double imposition, ces impôts, cotisations payées en France soient déductibles. Ce qui veut dire que de fait, on a bien en réalité, ce qui devrait normalement être banni de notre système, une double imposition. Donc je me suis battu et je me bats et chacun peut le voir sur mon site internet dans l'hémicycle avec des amendements, avec une proposition de loi que j'ai déposée. Mais dans le même temps, j'ai essayé de soutenir nos compatriotes qui décidaient de saisir les tribunaux et ceux qui me le demandaient, j'ai essayé de les aider à se protéger et surtout à faire des recours gracieux pour obtenir de l'État français, alors que j'ai la certitude, en tout cas, on va voir ce que va nous donner l'avenir, puisque la Cour de justice européenne va rendre une décision dans les prochaines semaines, tout prochain mois, en tout cas sous 3 mois, puisque c'est l'habitude, à la suite de conclusions de l'avocate générale qui ont exactement repris le plaidoyer que je fais depuis des mois et des mois contre cette taxe injuste. Donc il y a une perspective positive pour nos compatriotes aujourd'hui, puisque si la France est condamnée par la Cour de justice, elle sera dans l'obligation de revenir sur ce dispositif. J'imagine que dans les questions qu'on vous a posées, il doit y avoir des questions, puisque j'ai informé les Français à travers les emails, des questions sur les suites de la réunion à Bercy du groupe de travail, dont j'avais obtenu le principe, puisque le ministre s'était engagé auprès de moi dans l'hémicycle à ce que ce groupe de travail soit mis en place, quand j'ai fait valoir que la France risquait d'être condamnée et que j'ai dit au gouvernement qu'il serait quand même plus intelligent pour la France d'essayer de se mettre dans les clous avant d'être condamné par la Cour de justice. Et on a eu donc une première réunion où étaient conviés l'ensemble des parlementaires représentant les Français de l'étranger, où j'ai pu constater à quel point les administrations qui ont conseillé le gouvernement, en l'occurrence, étaient encore dans le déni et reprochaient en réalité aux tribunaux de ne pas valider la position française. Cette position que depuis le début je qualifie d'injuste et de non conforme à notre droit. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement, pour sa part, est en train de comprendre qu'il va être amené à bouger dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, et donc à accepter de commencer à travailler avec nous. Mais là où on a une petite déception, c'est qu'ils sont quand même dans la logique d'attendre le détail de la décision pour voir jusqu'à quand ils vont devoir bouger. Donc c'est là la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
C'est pour ça que ce qui est en tout cas essentiel, c'est que chaque Française ou chaque Français qui est concerné par cette question, et ils sont nombreux, prennent date avec l'administration au moment où ils sont destinataires de leurs avis à payer. Il faut prendre date. Parce que si l'administration française est contrainte, comme je le pense, de revenir en arrière, ça va dépendre en grande partie de la décision de la Cour de justice. Si elle suit la position de l'avocate générale, qui est la position que je défends depuis le début, ça sera le cas. Et auquel cas, ça sera une bonne nouvelle pour les Français et ça sera un casse-tête pour l'administration française. Voilà, j'ai essayé d'être le plus précis possible sans rentrer évidemment dans le détail. Je sais, pour recevoir beaucoup de dossiers à la suite de mon dernier courriel, j'en ai reçu des centaines et des centaines avec évidemment des éléments extrêmement précis. Je réponds à chacune et à chacun, je le ferai si vous me les transmettez, mais c'était important, je crois que je donne un peu le cadre dans lequel aujourd'hui nous sommes. Et si ça suscite d'autres questions, je suis évidemment tout à fait prêt à y répondre. Je termine juste en vous disant que si je mets tant d'énergie sur ce sujet depuis des mois, c'est que au-delà des Français qui sont concernés parce qu'ils ont un bien immobilier, ce qui n'est pas le cas de tous les Français qui sont aux États-Unis ou au Canada, il faut bien comprendre que c'est une question de principe qui se joue. C'est-à-dire que si on laisse faire, en réalité, comme on est avec des taxes qui sont pas considérées comme des impôts côté français, on se retrouve avec une double imposition de fait. Et on pourrait voir ensuite fleurir ce type de taxes sur tout. On peut tout imaginer. Donc il est important que cette bataille sur la CSG, CRDS et les taxes sociales, on puisse l'emporter parce que au-delà de ceux qui ont un bien immobilier, ça pourrait concerner dans l'absolu, tout le monde dans l'avenir. Je ne sais pas, Romain, si j'ai été suffisamment précis, mais en tout cas, voilà le tableau général dans lequel on évolue sur cette question qui préoccupe beaucoup nos compatriotes. Je pense que vous avez été suffisamment précis et en même temps, vous allez voir, les questions vont vous pousser à encore plus de précision. Plaisir. Je vais essayer. Donc, une question de Marine. Il vous dit que vous avez assisté au premier groupe de travail le 31 octobre dernier sur la fiscalité des Français de l'étranger. Sur deux thèmes, le régime d'imposition des plus-values immobilières des Français non résidents et les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Donc, selon vous, qu'est-ce qui ressort de cette première réunion sur ces deux grands thèmes? Alors oui, j'y ai fait allusion très vite, mais je vais essayer de rentrer un peu dans le détail. D'abord, ce qu'on a essayé de faire avec le gouvernement, moi j'ai pris la parole et mes collègues parlementaires étaient autour de moi, hein, qu'ils soient de droite, de gauche, qu'ils représentent les Français qui vivent en Europe ou partout dans le monde. Et je crois pouvoir dire qu'il y avait la même unanimité du côté des élus à souligner auprès du gouvernement que, il est dans l'erreur depuis des mois et des mois. Il faut que vous sachiez que depuis cette réunion du 31 octobre, au Sénat, le sénateur Frassa a repris l'amendement que j'avais moi-même défendu à l'Assemblée nationale sur un sujet qu'il connaît bien puisque lui-même est intervenu souvent sur cette question de double imposition et de CSG, et que le gouvernement lui a donné une fin de non-recevoir à cet amendement. Parce que, c'est ce que j'essayais de dire rapidement tout à l'heure, le gouvernement et l'administration considèrent que, un, on avait raison, nous avions raison, et que quand je disais depuis des mois, et c'est pour ça que j'avais demandé ce groupe de travail, que la France serait condamnée, je crois qu'aujourd'hui, ils se sont fait à l'idée que, la position de la France n'était plus tenable. Par contre, l'argument que j'ai essayé d'évoquer avec force devant les conseillers du ministre et les membres de l'administration qui étaient là, et qui a été appuyé d'ailleurs par les élus de gauche qui étaient là et les élus de droite qui étaient là,
qui était de dire n'attendons pas qu'il y ait la condamnation, essayons de nous mettre d'accord tout de suite. Et au moins, pour essayer, c'est une proposition de loi que j'avais faite, qu'il y ait un alignement, que tout le monde soit imposé de la même façon et qu'on ne soit pas plus imposé. Ce qui est le cas maintenant avec la loi française sur les plus-values avec la CSG, quand on est à l'étranger, quand on est en France. Et le gouvernement a dit, et c'est plus l'administration qui parlait d'ailleurs, a dit, maintenant on est tout près d'une décision, on a effectivement constaté que vous aviez raison et que l'avocat général va dans votre sens, mais maintenant, attendons la décision de la Cour de justice. Et donc, il ne faut plus être très patient, puisque cette décision, généralement, les décisions de la Cour de justice, après les conclusions de l'avocat général, c'est entre 2 et 3 mois ou plus tard. Ça veut dire que dans quelques semaines, on va avoir la décision, et que le gouvernement, évidemment, a acté le fait qu'il serait amené à se caler sur la décision qui sera annoncée et sur la condamnation probable de la France à cette occasion. Mais c'est la raison pour laquelle la réunion du groupe de travail n'a pas été conclusive. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas mis d'accord sur un dispositif précis qu'on aurait pu traduire ensuite au Sénat à l'occasion de la discussion de la loi de finances, puisque pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour ça que j'évoquais le Sénat et l'amendement que j'avais déposé à l'Assemblée. Les lois de finances sont d'abord discutées à l'Assemblée nationale, puis ensuite discutées au Sénat. Elles étaient discutées au Sénat postérieurement à cette réunion. Donc là, on aurait pu espérer que le gouvernement accepte nos amendements. Il ne l'a pas fait et il attend. Et donc, il faut qu'on attende tous ensemble maintenant la décision de la Cour de justice. Voilà. Il faut un tout petit peu de patience. Mais avec, je l'espère, une Cour de justice, et je n'en doute pas pour tout vous dire, puisque depuis le début, c'est un peu l'avocat qui parle, hein. J'ai fait des jurisprudences constantes qui montraient à quel point la France se fourvoyait et la France se trompait d'analyse. Mais maintenant, ce que nous dit le gouvernement, c'est attendons, puisque la décision va tomber, et on décidera en fonction de ce que la décision de la Cour de justice actera. Voilà. Donc, cette réunion du 31, pas aussi conclusive que je ne l'aurais souhaité, mais les conseillers et l'administration ont bien acté le fait que la position que je défends depuis général devant la Cour de justice. Et tout sera en cascade après, hein, parce qu'il y a d'autres il y a une jurisprudence de la Cour d'appel en France qui fait que le Conseil d'État va être amené à se prononcer. Donc tout est en cascade derrière. Ok. Merci Frédéric. Je vous propose de basculer peut-être temporairement, en tout cas sur le deuxième thème de cette conférence qui est les services consulaires. Et on a beaucoup de questions autour du fonctionnement de ces services consulaires, des consulats, des horaires, de leur efficacité ou non, des questions. Et alors écoutez, ça ne m'étonne pas parce que c'est un des sujets là encore qui reviennent quotidiennement. Hein. J'étais à Chicago, à New York il y a quelques jours, j'étais au Canada avec notamment d'ailleurs le président de la République puisque c'était une visite d'État et ces questions reviennent en permanence, c'est-à-dire sur les horaires, est-ce qu'on va pouvoir avoir des consulats qui soient ouverts au moment où les Français peuvent s'y rendre ? C'est-à-dire des questions que finalement, on a l'habitude d'entendre sur le fonctionnement de l'administration, les consulats étant assez proches finalement de ce que sont les préfectures dans les départements en France, c'est-à-dire les représentants de l'administration française à l'étranger, et donc l'interlocuteur administratif de nos compatriotes. Donc là, il faut développer davantage les services par Internet de façon sécurisée. Ça, c'est absolument fondamental. Et alors, j'en profite pour l'annoncer à tout le monde. J'ai obtenu l'accord de principe du gouvernement, de Laurent Fabius. Je vous ai dit, je faisais partie de la délégation pour la visite d'État au Canada, de Mathias Fekel, qui est le ministre
qui représente les Français de l'étranger, sur l'idée que le choc de simplification qui a été annoncé en France par le gouvernement et qui fait l'objet d'un train de mesures, dont peut-être les Français l'ont vu, la simplification du bulletin de paye et le fait que quand l'administration ne répond pas à temps sur une question, ça vaut acceptation sur ce type de décision qui concerne aujourd'hui les Français de France et qui pour beaucoup d'ailleurs sont des sujets que j'avais travaillé quand j'étais ministre. Vous avez rappelé que j'étais ministre des entreprises et j'avais engagé notamment la simplification du bulletin de paie qui s'applique maintenant aujourd'hui, un peu en retard d'ailleurs, mais qui est la suite de ce que nous avions engagé à l'époque. J'ai obtenu l'accord du gouvernement pour que sur des dispositifs qui concernent les Français aux États-Unis, au Canada ou partout dans le monde d'ailleurs, sur les questions de passeport, sur les questions de permis de conduire, sur les questions d'inscription, sur les registres, dans les consulats, que enfin, là aussi, on simplifie les choses. Quand on n'a pas de consulat à proximité, qu'on a un consul honoraire et qu'on doit faire son passeport, tous les Français savent la galère, j'emploie le terme, dans laquelle ils se trouvent. Alors, il y a des améliorations, un seul passage au lieu de deux, on a obtenu des choses. Mais quand je vois la manière dont fonctionne un certain nombre d'autres pays que la France, avec des solutions d'autres pays qui sont tout aussi vigilants que nous sur la sécurité, alors, à commencer d'ailleurs par les États-Unis et le Canada, hein, qui vous envoient par courrier votre passeport, et même d'autres pays européens, je pense aux Allemands, je pense qu'il y a beaucoup de choses très simples qu'on peut mettre en œuvre. Et Guillaume Poitrinal, qui a été chargé par le gouvernement d'une mission pour simplifier, a accepté l'idée que nous travaillons ensemble à des dispositifs qu'on pourrait traduire ensuite dans les textes de loi si nécessaire ou dans les habitudes de fonctionnement de l'administration qui permettraient de simplifier la vie de tout le monde. Je vais vous donner un exemple tout bête qui montre à quel point il y a un gâchis aujourd'hui. Un gâchis humain, un gâchis financier, une perte d'efficacité et une perte de temps pour les Français. Quand, par exemple, vous vous inscrivez sur le registre, ce qui vous donne ensuite le droit de voter, mais qui vous donne d'abord le droit d'être protégé. Parce que s'il arrive une tornade, un tremblement de terre, la France ne protège que ses ressortissants dûment identifiés. Ceux qui, évidemment, sont sur le territoire, mais dont la France ne sait pas qu'ils sont sur le territoire parce qu'ils ne sont pas inscrits, vous voyez bien que la France ne peut pas leur porter secours. Donc, d'où l'importance de dire à tous les Français qui sont vos amis de s'inscrire. Mais il faut savoir aujourd'hui que quand vous vous inscrivez, vous allez sur le site des consulats, vous remplissez un formulaire et vous croyez que, évidemment, ce formulaire ensuite va être traité de manière informatique au consulat et tout ça va être très simple. Mais il faut que vous sachiez que quand le formulaire arrive au consulat, ce formulaire ensuite il est imprimé, il y a un fonctionnaire qui passe ses journées à retranscrire ce que vous avez écrit dans une base de données et ensuite cette base de données va permettre de faire le traitement administratif que l'on connaît. On a fait le calcul avec certains consuls, j'avais demandé notamment à l'ancien consul de San Francisco, s'il voulait bien, sur ce point précis, faire des calculs, et on s'est aperçu que ça occupait au minimum une personne à temps complet à l'année pour faire cette opération qui serait si simple de remplacer par un dispositif où, quand les Français remplissent, elle s'est immédiatement ensuite retranscrit en informatique. Or, c'est une des raisons qui est mise en avant par les consulats pour ne pas ouvrir l'après-midi, par exemple. Puisque les consulats disent on reçoit le matin les citoyens, et l'après-midi, il faut nous laisser faire toutes les opérations administratives. Donc, les mêmes agents ne pouvant pas faire les deux à la fois, on n'est pas ouvert au public, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, mais ils ne sont pas ouverts au public. Donc, vous voyez bien que si on arrive à réduire les procédures, à les simplifier, on peut gagner du temps homme
c'est-à-dire, pourquoi pas même des postes de fonctionnaires, là où on peut faire des économies, mais surtout on peut libérer ces fonctionnaires à d'autres moments pour être aux côtés des citoyens. Il y a un autre exemple qui revient, je ne sais pas si on vous a parlé dans vos questions, par exemple, des agences consulaires. Moi, j'étais intervenu, pour le coup, de manière assez vive avec le gouvernement. Je l'ai dit à plusieurs reprises à Laurent Fabius, y compris là, il m'a reçu pendant une heure au Quai d'Orsay pour évoquer toutes les questions qui concernent nos compatriotes. Et je lui ai redit, par exemple, quand on ferme le consulat de Calgary. Le consulat de Calgary, c'est la France qui l'a ouvert, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était en 2010. C'est, la France est le premier pays à avoir ouvert un consulat à Calgary. Or, les Français qui vivent au Canada savent bien à quel point c'est aujourd'hui une des provinces où il y a le plus de croissance et de dynamisme économique. D'ailleurs, j'en parlais avec le Premier ministre du Québec l'autre jour, lui-même me disait combien, dans la péréquation qu'il y a ensuite entre les différentes provinces, c'est important le dynamisme de telle ou telle province parce que ça donnait de l'argent, y compris au Québec. Eh bien, il faut que vous sachiez que, alors que je soutiens Laurent Fabius quand il dit, à juste titre, que la France doit développer une diplomatie économique, mais je lui ai dit avec la même franchise que ça n'était pas cohérent, pour des raisons d'économie, de fermer le consulat de Calgary. Là où il y a une croissance de plus en plus forte, là où il y a de plus en plus de Français. Donc, je n'ai pas obtenu qu'on rouvre un consulat à Calgary, mais j'ai obtenu qu'il y ait un consul honoraire qui soit nommé, qui est donc une agence consulaire, la même chose d'ailleurs à Edmonton. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on donne pour la première fois qu'on fasse une sorte d'expérimentation, qui pourra peut-être exister ensuite ailleurs dans le monde, c'est qu'on lui donne notamment une mission économique, avec l'objectif de soutenir nos compatriotes, les acteurs économiques français qui viennent s'installer dans ces zones précises. Mais vous voyez, c'est des cas très concrets comme ça, où on voit le décalage qu'il peut y avoir avec les attentes des Français fortes et la réponse qu'est capable de donner l'administration. Je suis le premier à dire qu'il faut faire des économies. Faire des économies, ça ne veut pas dire prendre des décisions contre l'efficacité de la France. Ça veut dire prendre des décisions, d'abord, de changement de nos méthodes, de simplification, partout où on peut mettre des procédures simplifiées, notamment avec Internet, il faut le faire. Sur la question des passeports, je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai obtenu... et ça sera applicable pour 2015, la fin de la double comparution, parce qu'il faut absolument qu'on puisse faire l'envoi des passeports par courrier sécurisé. Puis on ne peut pas être le seul pays à ne pas le faire. Au moins, qu'on puisse avoir un retrait au consulat pendant la tournée consulaire ou auprès du consul honoraire compétent. De la même façon, j'ai dit au gouvernement qu'il fallait regarder ce que font d'autres pays. J'ai vu notamment, je crois que ce sont les Allemands, qui utilisent les services de sécurité de police locaux pour un certain nombre d'opérations sécurisées dont on nous dit elles ne peuvent pas être faites ailleurs qu'à l'ambassade ou au consulat général. Et bien, dans ce cas, s'il y a un consul honoraire qu'on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas de consulat général, plutôt que de faire des systèmes soit très coûteux avec la valise qui se déplace, soit de ne pas offrir un service suffisamment régulier aux Français, et travaillons aussi avec les services locaux. Ils ne demandent que ça, ils sont tout à fait prêts à le faire. Donc, vous voyez, il faut vraiment changer nos méthodes. Voilà, ça, ce sont des choses très concrètes sur lesquelles on pose des questions très régulièrement. Je ne sais pas si j'essaie de vous répondre de manière globale, peut-être que vous avez des questions très précises là-dessus. Cette façon de répondre de manière très globale a permis de traiter plusieurs questions, donc c'est parfait, on a gagné du temps. Alors là, on va... Les permis de conduire, parce que ça, c'est aussi un des sujets dont on parle beaucoup, parce que ça ne fait pas partie de l'attribution. Ça tombe bien, il y a des questions, donc effectivement, allez-y. Et c'est malheureusement un sujet sur lequel j'ai essuyé un refus dans l'hémicycle de la part du gouvernement,
pour des raisons qui m'ont été mises en avant que je ne trouve pas concluante. Et donc c'est la raison pour laquelle je vais continuer de me battre pour ça, parce que la France pratique un échange réciproque des permis de conduire avec simplement 18 États américains et avec 8 provinces canadiennes. Alors ça implique les questions de permis de conduire, ça implique le permis moto aussi. Et donc on voit bien, là il y a un travail que j'ai dit au gouvernement que je ferais s'il ne le faisait pas, mais enfin c'est pas la mission du député de le faire, c'est au gouvernement de le faire, d'échanger avec les autorités de tous les États et de toutes les provinces pour qu'on arrive à unifier les constructeurs français et qu'on est dans tel État, on soit traité de telle façon par rapport à la France, et si on vit dans tel autre État ou dans telle autre province, on soit traité de manière différente. Donc j'espère là aussi aboutir sur une forme d'uniformisation. Pour ça, il faut que la France joue son rôle, que le gouvernement et la diplomatie française interrogent l'ensemble des autorités des États et des provinces pour leur demander de normaliser les choses et d'unifier par rapport à ce que aux pratiques des autres États. C'est simplement des démarches qu'il faut mettre en place, qui sont des démarches peut-être un peu lourdes. J'attends maintenant sur ce sujet précis la réponse du gouvernement. S'il ne le fait pas, je le ferai moi, en mon nom, en tant que député. Mais ça serait évidemment plus logique que la France le fasse au nom de la France. Ok, merci Frédéric. Alors, je vous propose de passer à un sujet politique. En même temps, vous êtes un homme politique et vous vous doutez de quelle est la question, j'imagine. Je vous la résume dans une synthèse d'à peu près toutes les questions qui tournent autour de ça. Pour quelle raison, Monsieur Lefebvre, avez-vous voté pour le pacte de stabilité de Manuel Valls? Ah, ben ça, c'est une question effectivement qui revient assez souvent aussi. D'abord, parce que j'ai des gens de ma famille politique qui me disent: est-ce qu'en faisant ça, vous ne faites pas un cadeau au gouvernement? D'autres qui sont de ma famille politique, mais qui sont en même temps des acteurs économiques, qui me disent: enfin, un député qui décide par rapport à nous plutôt que de décider par rapport à l'idéologie ambiante dans son parti politique. Vous savez, moi, je me suis posé la question, évidemment, parce que j'ai été le seul député UMP à le voter. Et je l'ai voté en disant deux choses. Un, ça ne va pas assez loin en matière de réduction de la dépense publique. J'ai d'ailleurs fait des propositions, y compris avec mon think tank, pour aller beaucoup plus loin. Et j'ai dit une deuxième chose, c'est que je reproche au dispositif tel qu'il a été mis en place de ne pas aller assez loin, notamment sur ce que je défends avec Nouveaux Horizons, mon think tank, c'est-à-dire une baisse à la fois des charges patronales que payent les entreprises, mais en même temps une baisse des charges salariales pour redonner du salaire direct aux Français. Je pense qu'il faut augmenter le salaire direct dans notre pays pour jouer à la fois sur l'offre et sur la demande. Donc c'est un sujet capital, mais est-ce que parce que le gouvernement ne va pas assez loin mais qu'il va dans le bon sens, je devais décider de voter contre quelque chose que je défends? Moi, j'ai considéré que je devais être sincère. Et être sincère, c'était dire ça ne va pas assez loin, mais c'est déjà ça. Parce que j'ai une préoccupation. C'est celle de tous ces Français, je vous rappelle que j'ai été leur ministre, qui sont acteurs économiques, qui sont chefs d'entreprise, ou des gens d'ailleurs qui sont salariés dans les entreprises. Croyez-moi, ils ne peuvent pas attendre 2017. Parce que 2017, c'est loin. Les commerçants, ils ont le temps de voir leur entreprise fermée. Les salariés, ils ont le temps de perdre leur boulot. Quand, faut le savoir, en France aujourd'hui, on est à près du quart de la population qui est en grande précarité. Près du quart. Et on a, pour le reste, les Français qui payent pour la solidarité, c'est-à-dire tous les Français qui travaillent. Jamais je n'ai vu autour de moi, jamais, je pèse mes mots, autant de Français qui soient chefs d'entreprise, fonctionnaires, qui aient été contraints de faire appel à leur épargne, parce qu'ils protègent leur famille, pour simplement payer les impôts cette année. Eh bien, moi je pense à eux. Dans cette situation-là, est-ce que je dois, parce que c'est le gouvernement
socialiste et parce que c'est le Premier ministre Manuel Valls qui présente ce plan, dire ça ne va pas assez loin donc je vote contre et renvoyer à 2017, non, pendant ce temps-là, c'est la France qui recule. Donc voilà, j'en ai fait un principe. J'ai d'ailleurs suggéré que ça devienne un site partagé dans le monde politique, un pacte de sincérité. Quand on pense que c'est bon pour la France, on le vote. Que ça vienne de sa famille politique ou que ça vienne d'un autre parti politique. Voilà ce qui a motivé ma décision. Merci Frédéric. Nous avons une question complètement évidemment différente, sur une thématique complètement différente, mais qui est très intéressante, de la part de Fabienne. Bonjour monsieur le député, ma question est à propos de la bourse d'études pour un enfant de 15 ans susceptible de rentrer au collège de San Francisco. Dans le calcul de cette bourse, dois-je tenir compte du capital total investi dans notre projet de création d'entreprise ou bien de la somme globale transférée ou bien dois-je me baser uniquement sur mon dernier avis d'imposition? Merci monsieur le député. Une question technique, précise, mais qui touche surtout au principe des bourses, qui est un sujet extrêmement intéressant. Alors, sur la question des bourses, moi je remercie Fabienne de sa question et je lui suggère de m'envoyer un email avec, si elle le souhaite, avec un certain nombre de précisions pour que je puisse lui apporter des conseils très précis. Mais je voudrais globalement vous dire plusieurs choses sur la question des bourses et ça répondra en grande partie à Fabienne. D'abord, on est sur un sujet où c'est une faute, je le dis et je pèse mes mots, de la part du gouvernement de ne pas investir dans l'éducation des jeunes Français à l'étranger, de ne pas investir suffisamment sur l'éducation des jeunes Français à l'étranger. Quand vous pensez d'ailleurs, y compris les députés socialistes ou les députés verts, dans l'hémicycle, il y a un mois, ont voté un amendement que je défendais, ils ont tous voté avec moi. Malheureusement, il y avait une partie des députés, vous savez, dits frondeurs, gauche qui l'ont fait. Malheureusement, ça n'a pas suffi à une voix. Mais le gouvernement baissait les crédits des bourses de 9 millions d'euros parce qu'il y a des ajustements, parce qu'il y a des difficultés sur les finances publiques, certes. Je veux rappeler que on est en train de sacrifier le lien principal entre la France et les jeunes Français simplement alors qu'on investit massivement dans le système éducatif et dans le recrutement de professeurs en France, simplement parce qu'on invente des dispositifs pour contenir les bourses. Et là, on rentre dans le détail de la question qui m'était posée. C'est-à-dire que on se retrouve avec des dispositifs, ça concerne beaucoup de compatriotes français, où on dit que dans le patrimoine, on doit intégrer le 401k, par exemple. Quand on est aux États-Unis, qu'on prépare sa retraite, on n'est pas par un système de répartition. On est sur un système par capitalisation. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'ouvrir un plan de retraite. Mais est-ce que c'est de l'argent qu'on peut considérer comme étant dans le patrimoine directement? Non. Alors, là, Frédéric, vous êtes également en train de répondre à une question de Jean-Michel et je vous propose justement de développer cette histoire des 401k. Ouais. Quelqu'un qui a travaillé 15 ans aux États-Unis, qui a épargné méthodiquement sa retraite et qui se pose la question sur son retour en France, l'inclusion ou pas dans le calcul de l'ISF, son impact sur sa retraite lorsqu'il rentrera en France. Et c'est tout. C'est tout le problème. Alors là, je voudrais terminer sur les bourses à travers le 401k. Je vais venir après sur la question de la retraite. Parce qu'il y a deux questions dans la question de Jean-Michel. De Jean-Michel. En réalité, on voit le décalage qu'il y a entre le système français et le système nord-américain. C'est complètement absurde. Je l'ai dit très clairement à Laurent Fabius. Je l'ai redit à Mathias Fekel, le ministre des Français de l'étranger. Je le redirai en permanence, je me battrai dans l'hémicycle jusqu'à ce que j'obtienne satisfaction. C'est absurde d'intégrer des sommes dans le patrimoine qui en réalité ne sont pas dans le patrimoine.
Quand vous investissez dans votre entreprise, par définition, les sommes que vous investissez, ce n'est pas votre patrimoine personnel. Et en plus, vous prenez un risque. Et, au moment où vous n'avez pas de revenus disponibles parce que vous êtes en train d'investir, on refuse que votre enfant bénéficie d'une bourse pour aller dans le système éducatif français, qu'est-ce qu'on fait en fait? On chasse votre enfant du système éducatif français. De la même façon, quand on dit à quelqu'un, alors que ça fait très longtemps qu'il travaille, c'est le cas de Jean-Michel, ça fait très longtemps qu'on travaille aux États-Unis. Quand on lui dit, votre 401k, on considère que c'est votre patrimoine d'aujourd'hui. Et on fait en fait comme si c'était son portefeuille d'actions qu'il peut vendre du jour au lendemain. C'est fou, parce que c'est sa retraite du futur. Et donc, en réalité, on fait sortir du bénéfice possible de bourse tout un tas de jeunes Français, de jeunes Françaises. Et c'est d'ailleurs assez logique, puisqu'on baisse de l'autre côté le montant global des bourses. Et notamment, il y a un engagement qui avait été pris. Vous savez, nous, on avait mis en place un système à l'époque qui était perfectible. D'ailleurs, j'avais proposé de le corriger et de le modifier, mais qui en fait créait la gratuité des études pour les jeunes. Alors, on partait de la terminale et on descendait progressivement. C'est un dispositif qui coûtait à la France 30 millions. Pendant l'élection présidentielle, pendant les élections législatives ensuite, le gouvernement actuel a dit c'est un dispositif qui avantage les riches. Entre parenthèses, on ne se pose pas la question en France où c'est le même système, c'est-à-dire les études sont gratuites pour tout le monde. Et je ferme la parenthèse. On nous a dit c'est un dispositif qui avantage les riches, donc on le supprime, mais engagement. Le président de la République avait d'ailleurs pris l'engagement sur le territoire nord-américain à plusieurs reprises. Engagement. Ces 30 millions, on les mobilisera totalement dans le système des bourses pour le rendre, au contraire, plus souple et plus performant. Et on a fait exactement le contraire. Au lieu de le transférer, en réalité, c'est parti dans le tonneau des Danaïdes du déficit public, pour essayer de boucher un peu. Ça a été capté par le budget de l'État et détourné, entre guillemets, des Français, et on a inventé du coup tout un tas de dispositifs sur les bourses avec une réforme qui a été mise en place qui a eu pour objectif, enfin pour conséquence plutôt, de sortir progressivement des gens, en tout cas en Amérique du Nord, du bénéfice du système des bourses scolaires. Donc moi j'ai obtenu, je le dis, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à m'envoyer vos dossiers. Si vous avez un des hésitations avec des éléments le plus précis possible ou si vous avez essuyé un refus, parce que j'ai reçu un engagement qui est public, hein, qui a été, quand j'ai interrogé le ministre des Français de l'étranger, il l'a dit publiquement, ce qu'avait d'ailleurs fait le ministre du budget dans l'hémicycle sur la loi de finances auparavant. Ils ont pris un engagement, c'est que du fait de la réforme des bourses, aucun enfant ne serait sorti du système des bourses. Et que si j'avais un dossier, je l'envoie et qui veillerait à ce que ce dossier soit traité de manière positive. Donc j'invite chacun, évidemment, à m'envoyer son dossier ou le dossier de son enfant, si c'est le cas, pour prendre au mot le gouvernement. Parce que, et j'en termine là sur la question des bourses et de l'éducation, je crois avec force que c'est non seulement l'intérêt des Français qui vivent aux États-Unis et au Canada, mais c'est l'intérêt de la France. Parce que c'est l'intérêt de la France d'investir sur nos compatriotes. Dans un petit livre que j'ai écrit qui s'appelle « Vous êtes prioritaire », que chacun peut télécharger librement, c'est-à-dire gratuitement. Et bien dans ce livre, je rappelle, j'ai une phrase qui correspond, je crois, à ce que vivent et ressentent tous les Français qui sont loin de la France. L'éloignement est un exhausteur d'amour. Plus on est loin de la France, plus on l'aime. Et en même temps, on a un regard très juste sur la France. Et ce regard très juste fait que on voit ce que les Français ne voient même plus, c'est-à-dire ce qui est formidable en France, qui marche formidablement bien, et que les Français en France ne voient plus. Mais on voit aussi ce qui ne marche pas et que les Français ne veulent pas voir. Bien, je crois que c'est donc l'intérêt de la France d'investir
sur des Français qui sont des porte-drapeaux de la France, qui ont un autre regard. Et voilà, je me battrai, mais je ne suis pas le seul. Il y a d'ailleurs beaucoup d'élus de gauche qui mènent ce combat aussi. Des élus de gauche dans notre circonscription, des élus consulaires qui ont été élus, qui mènent ce combat à mes côtés. Parce que c'est indispensable, de gauche et de droite, c'est indispensable que la France investisse sur les Français qui sont loin, qu'on crée des passerelles. Il ne faut pas oublier notre histoire. Et si le français aujourd'hui est une langue mondiale, et si la France est un petit pays en taille, a le poids économique qu'elle a aujourd'hui dans le monde, c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes Français qui sont partis à la conquête du monde au XVIe, au XVIIe siècle. Et aujourd'hui, il faut arrêter de culpabiliser les Français et les jeunes Français qui partent. Et arrêter de considérer que parce que quelqu'un est parti, bah, tant pis pour lui. Non, au contraire, il faut investir sur le lien. Là, j'y mets un peu de passion et d'énergie, mais parce que j'y crois pour mon pays. Et je pense que c'est donc ce qui paraît être anecdotique ou ce qui peut être le vécu d'une famille qui va se voir refuser une bourse et donc qui va se voir refuser pour son enfant la possibilité de maintenir le lien et de revenir, parce que quand il y a des expatriés qui sont là pour 2-3 ans et qui reviennent, ils veulent que leur enfant soit évidemment réintégré dans le système français. Donc c'est le devoir de la France de le permettre. Voilà, j'ai peut-être été un peu long sur cette question, mais ça me paraît essentiel. Et du coup, j'arrive sur le dossier de la retraite, puisque quand on parlait du 401k, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le plan retraite. Or, monsieur a parfaitement raison, il va se retrouver avec un dispositif qui ensuite, s'il rentre en France définitivement, va rentrer dans son patrimoine et va se retrouver taxé, y compris à l'ISF. Et de surcroît, quand il va quitter les États-Unis avec le système de l'exit tax américain, je ne parle pas du système français, c'est autre chose, on pourrait en parler, que je combats depuis toujours, mais avec l'exit tax américaine, on va lui en prendre une partie au moment où il va quitter les États-Unis. Et moi, je rencontre tellement de Français qui ne se sont pas posé la question. Ils sont partis, qui ont mis toute leur énergie, qui ont construit leur vie de travail aux États-Unis ou au Canada, mais avec un objectif, c'est de rentrer ensuite en France pour prendre leur retraite dans leur village, j'imagine que c'est ce que Jean-Michel s'est toujours dit. Je travaille et je rentrerai ensuite en France. Eh bien, ils se retrouvent, je les appelle les prisonniers de la retraite, parce qu'ils se retrouvent dans l'impossibilité de fait de rentrer. Parce que les deux systèmes étant tellement différents, on ne prend pas en compte leur situation. J'ai déposé une proposition de loi pour qu'on puisse exonérer d'ISF les plans retraite qui ont été construits en Amérique du Nord. Et c'est l'intérêt de la France, franchement. Hein. Parce que sinon, Jean-Michel ou d'autres, il y en a beaucoup, ne rentreront pas. Et s'ils ne rentrent pas, ils ne feront pas profiter de la France de tout l'argent qu'ils ont gagné tout au long de leur vie et qu'ils pourront consommer en France. Donc c'est bien l'intérêt de la France. Voilà, mais il faut faire prospérer cette idée que ces deux systèmes sont différents. L'intérêt de la France, c'est de prendre en compte cette différence. Et là aussi, un sujet sur lequel j'essaye de me déployer beaucoup. Et juste peut-être un mot, parce que sur la question de la retraite, là encore, je vois des situations qui parfois sont très difficiles. Et vous savez, je le répète à chaque occasion, à la télévision, à la radio quand je suis invité, ou dans l'hémicycle, et je le dis à mes collègues. On imagine souvent que partir aux États-Unis, partir au Canada, c'est d'abord un départ qu'on fait pour ne pas payer d'impôts. Tous les gens qui sont ici savent que ce n'est vraiment pas l'endroit qu'on choisit si on ne veut pas payer d'impôts. Je vous le confirme. Pardon ? Je vous le confirme. Vous me le confirmez, mais tous les Français le savent bien. J'ai même fait un travail intéressant avec des conseillers financiers et des comptables de la circonscription pour pouvoir donner des chiffres à mes interlocuteurs. Par exemple, quand on est à New York, ben, on paye plus d'impôts quand on prend les impôts de toutes sortes, que si on est à Paris, à situation égale. Donc il faut sortir des clichés. Et ces clichés qui font qu'ensuite on pénalise les Français. Parce qu'on se dit,
sont des privilégiés, donc on les pénalise. Moi, je vois beaucoup de gens qui sont obligés de travailler, notamment des femmes, qui ont été mariées à des Américains. Et leur mari a disparu, il est décédé, ou bien ils ont divorcé, et qui se retrouvent à 80 ans à travailler pour vivoter ici aux États-Unis. Donc, il faut arrêter avec les clichés. Et il faut, et c'est le rôle de la France, essayer, et j'en terminerai là, d'apporter un soutien à la fois aux Français qui décident de partir, parce que je le disais tout à l'heure, c'est l'intérêt de la France de partir à la conquête du monde, et notamment des jeunes Français, pour les aider au moment du départ, qu'ils sachent comment ça se passe pour les visas, quel type d'activité il faut faire, quel montant d'investissement il faut réaliser, essayer de ressouder la diaspora française, parce qu'il y a besoin de ressouder la diaspora économique. Et dans le même temps qu'au moment où, comme Jean-Michel, ils vont décider de rentrer en France, mais on puisse les aider à faire les bons choix, ne pas se tromper. Donc, qu'on ait, et ça fait partie des propositions concrètes que je fais, qu'on ait un guichet unique pour le départ et le retour, où on puisse, c'est le rôle de la France, conseiller les Français. D'abord parce que beaucoup de Français partent parce que leur entreprise leur a demandé de partir. Et que finalement, ils n'ont pas vraiment le choix, sauf à perdre leur emploi. Et que c'est le devoir de la France d'être à leur côté, de la même façon que je le disais tout à l'heure, c'est le devoir de la France d'être aux côtés de leurs enfants et de leur permettre d'apprendre le français, de raccrocher les études en France s'ils le souhaitent ensuite, de la même façon qu'on a intérêt à créer des passerelles avec les acteurs économiques français qui sont aux États-Unis, qui sont au Canada, et qui, comme je l'entends parfois, ne sont pas partis créer des emplois ailleurs, parce que même s'ils créent des emplois aux États-Unis ou au Canada, et ils en créent aussi en France, pour beaucoup d'entre eux. Et j'étais heureux d'ailleurs d'en parler au président de la République et aux différents ministres qui étaient là, notamment d'une entreprise française que j'ai vue à Montréal, qui est une entreprise formidable, Link by Net, qui a un extraordinaire essor au Canada et dans le monde entier, qui a des centaines d'employés maintenant, qui est parti de Seine-Saint-Denis, qui avait peu d'employés en Seine-Saint-Denis, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois maintenant qu'ils doivent être à une soixantaine ou 70 emplois en Seine-Saint-Denis, grâce aux centaines d'emplois qu'ils ont créés à l'étranger. Et donc, c'est bien l'intérêt de la France aussi, que des acteurs économiques partent créer de la valeur partout dans le monde. Voilà, il faut avoir confiance. Mais pour ça, et c'est mon rôle et ma mission, veiller à ce qu'à l'Assemblée nationale, où je passe une grande partie de mon temps pour défendre les intérêts des Français, eh bien, on prenne en compte cette situation spécifique, mais veillez aussi, je fais au minimum 10 jours par mois dans la circonscription, en prenant une semaine où il ne se passe pas grand-chose à l'Assemblée, en allant à la rencontre des Français, veillez aussi à ce que la diaspora française soit beaucoup plus soudée qu'elle ne l'est. Parce que les Asiatiques, eux, savent se souder, parce que les Allemands savent se souder. Parce que Justement, Frédéric, nous avons une question. Concernant, durant votre campagne, vous avez annoncé la création d'une association qui est censée regrouper la diaspora française. Où en est-on ? C'est pour ça que j'ai évoqué, vous vous en souvenez, l'âme nord. Âme avec un accent circonflexe. Parce que je crois qu'il est indispensable de ressouder cette diaspora, à la fois la partie économique, parce que c'est l'intérêt des acteurs économiques français qui ont des entreprises françaises ou qui ont des postes importants dans les entreprises canadiennes ou américaines, de se parler, de se rencontrer, d'échanger, de s'épauler. Et dans le même temps, pour la communauté française, je vais vous dire par exemple des choses que j'ai en tête. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez eu des questions sur le sujet, mais avec Obamacare par exemple, moi dans les permanences que je fais… Très nombreuses questions. Mais sur cette question, les gens me disent, mais par exemple sur les complémentaires santé, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que la CFE, ça marche ? Est-ce que ça ne marche pas ? Quel est le produit qui me protège ? Est-ce qu'on va accepter du côté des autorités américaines telle ou telle assurance que j'ai ? Voilà, j'ai ces questions-là en permanence. Et moi, je souhaite par exemple, un peu sur le modèle, je ne veux pas faire de publicité, mais d'un site comme TripAdvisor sur les voyages et les hôtels, où la communauté donne son avis, mais que la diaspora française
puisse donner son avis sur la meilleure assurance, et que finalement, il y ait cet esprit de rassemblement de la communauté, qu'on la ressoude. Et l'âme nord dont j'ai parlé est enfin née. Ça a pris du temps parce que c'est une non-profit organization, il fallait des autorisations. Son président est connu d'un certain nombre de gens, notamment de San Francisco, c'est Monsieur Zambelli. Il y a aujourd'hui des Français, des Françaises partout sur le territoire de la circonscription qui souhaitent s'engager dans les différents domaines, que ce soit dans le domaine culturel. Il y a des gens qui leur écrivent directement, qui m'écrivent à moi, que je réoriente vers l'association. Et croyez-moi, mon souci, c'est pas que ce soit des gens de droite, que ce soit des gens de gauche. Il y a d'ailleurs des gens qui ont toutes les tendances politiques, parfois qui ont été élus, qui ne le sont plus, ou qui aspiraient à l'être, qui n'ont pas été, peu importe, et qui sont particulièrement engagés sur la question de l'éducation, sur les programmes FLAM. Il y a là, au contraire, cette association, elle leur permet de se mobiliser. Ça permet aussi de valoriser les associations. Ça va permettre de valoriser les associations déjà existantes. Il ne faut surtout pas prendre leur place, mais au contraire, les faire connaître. Essayer à travers cette plateforme nord-américaine de mettre en contact les acteurs de la diaspora. Il y a un site internet qu'ils sont en train aujourd'hui de bâtir. C'est d'ailleurs une jeune femme, Caroline Semama, qui est à New York, qui s'en occupe. Donc vous voyez, c'est en train de prendre vie. Cette association, cette non-profit organization, l'AMNOR. Et je pense que c'est urgent de ressouder la diaspora. Vous le voyez, je le vois, moi, à chaque fois que je suis dans la circonscription, à chaque fois que je fais une permanence, on le voit à l'occasion de cette permanence, cette web permanence, il y a des questions très concrètes sur lesquelles, évidemment, l'expérience, la compétence de tel ou tel élu à l'autre bout du territoire de l'Amérique du Nord sera très utile à tel ou tel citoyen ou à tel ou tel autre élu. Et aujourd'hui, personne ne se parle. J'essaye d'être le lien entre tout le monde. Parce que Alors, justement, l'intérêt de la France est l'intérêt des Français qui vivent aux États-Unis, au Canada. Frédéric, pour conclure ces questions, cette séance de questions, et conclure cette conférence qui est extrêmement intéressante, je vous propose de répondre à une question qui est la plus large, mais de façon assez simple. Pour vous, être au service des Français, des États-Unis et du Canada, monsieur le député, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela représente? Alors évidemment, on repart au début de la conférence, mais ça me semble être une belle façon de conclure cette web conférence. Mais je vous remercie. J'en profite d'ailleurs pour remercier French District de m'avoir permis de faire cette web conférence parce que, comme vous l'avez compris, et c'est sans doute ça le sens premier de mon engagement et de cette mission, c'est que moi j'essaye d'être loin des polémiques, loin des idéologies, et je voudrais être le plus pragmatique possible. Moi je pense que mon rôle, et French District vous le montrait, dans votre manière d'aborder les questions qui concernent la communauté française, et c'est la raison pour laquelle moi je suis un nouveau lecteur, comme beaucoup de Français, c'est que il y a finalement, quand on est Français, des questions qui se posent, quel que soit son engagement politique, à chacun. Que ça soit sur l'éducation, que ça soit sur la protection sociale, que ça soit sur la retraite, on a évoqué ces questions, que ça soit sur les difficultés rencontrer les formalités administratives, que ce soit quand on est un acteur économique sur l'accompagnement des différents outils de la France, par exemple, je pourrais vous parler longuement des expérimentations qu'on essaye de mettre en place. Moi, j'ai choisi de le faire à Chicago en accord avec le gouvernement parce que c'est la plus grosse circonscription consulaire des États-Unis, parce que il y a une grande diversité, parce que tous les services de l'État y sont représentés. Et essayer de mieux coordonner. Voilà, j'essaye de changer la vie quotidienne, améliorer les choses, défendre les Français. Je l'ai fait, par exemple, on ne l'a pas évoqué du tout, d'ailleurs, c'est étonnant que vous n'ayez pas eu de question sur ce sujet, j'en ai très souvent, la carte vitale. C'est un sujet que j'ai défendu parce que des Français m'ont interrogé. Il y a des Français dans mes permanences qui m'ont dit, mais pourquoi, monsieur le député, on n'a pas droit à la carte vitale alors qu'on a cotisé en France? Et que si on est sur le territoire français, on devrait avoir le droit à la carte vitale. Le gouvernement, enfin l'administration, c'est pas le gouvernement
en place spécifiquement, mais l'administration française répondait non. Et puis j'ai regardé la loi. Et j'ai vu que la loi, effectivement, y donnait droit. Et donc je me suis battu pendant de longs mois. Et on a fini par obtenir la reconnaissance de la carte vitale pour les retraités français, retraités qui ont cotisé pour de la retraite à un moment de leur vie, et qui donc ont le droit, au moment de la retraite, à la carte vitale. C'est-à-dire que s'ils viennent en France, ils ont droit, comme tous les Français, à la carte vitale. C'est une grande avancée pour beaucoup de Français, très concrète, qui est partie d'une question qui m'était posée à plusieurs reprises par des gens qui étaient venus me voir dans mes permanences. Mais souvent, ces Français, ils sont confrontés à une réalité et c'est souvent trop tard. Parce que quand on arrive, qu'on est Français, qu'on a l'habitude d'être protégé sur tout en France, et qu'on arrive aux États-Unis ou au Canada, où il faut se débrouiller tout seul, se prendre en charge tout seul, et qu'on a un projet d'entreprise, qu'on se lance dans ce projet, ben on ne se préoccupe pas de comment on va être protégé si jamais on a un gros problème de santé. Et j'en ai vu des Français qui se sont retrouvés à perdre la maison parce qu'ils n'avaient pas anticipé qu'ils ont une grave maladie. Qu'on ne se préoccupe pas de sa retraite, la question de Jean-Michel était très claire tout à l'heure, sauf au moment où on va partir en retraite. Et donc moi, mon devoir, il est d'éclairer les Français. J'essaye régulièrement, par email, par courriel, de sensibiliser sur les questions qui me paraissent essentielles pour que les Français se protègent, pour que les Français anticipent, pour que les Français communiquent entre eux, pour qu'on arrive à créer justement cette diaspora qui s'entraide. D'un côté, et ça implique que je sois sur le terrain, ce que je fais très régulièrement, ce qui est d'ailleurs un bonheur pour moi. Moi, j'aime, vous savez, les États-Unis et le Canada. Et donc, je le fais avec passion, je le fais avec bonheur, et j'ai tellement l'impression qu'en rendant service aux Français, dans le même temps, je rends service à mon pays. J'ai tellement le sentiment, je fais partie de ceux qui croient, alors dans le débat public en France, on a peur même de l'Europe. Finalement, tout ce qui est dans les frontières de l'Hexagone ne fait pas peur, tout le reste fait peur. Mais moi, je crois exactement l'inverse. Et je pense que l'avenir de la France dans la mondialisation, il est formidable. Si on sait investir sur tous ces Français qui partent, au lieu de les culpabiliser, au lieu de ce débat stupide sur l'exil des forces vives que j'entends toute la journée, moi, je préfère qu'on se pose comme question, pourquoi est-ce qu'on est obligé de vendre la France ? Couvert d'attirer les investissements étrangers en France, on fait des avantages fiscaux énormes à des tas d'investisseurs étrangers, mais qui n'investissent pas pour créer de l'emploi dans les entreprises, qui achètent nos châteaux, qui achètent nos vins, qui achètent notre immobilier. Voilà, ça me paraît être un des problèmes inquiétants pour la France. Alors que le fait que des Français, notamment des jeunes Français, partent à la conquête du monde, c'est une chance pour le pays, parce qu'ils ont compris que leur avenir était pluriel, plusieurs langues, plusieurs pays, plusieurs métiers. J'essaye d'être actuel. J'essaye, et je crois que cette circonscription me donne la possibilité de prendre parfois du recul sur la vie politique en France. D'être un peu comme les Français qui vivent aux États-Unis et au Canada, à l'écoute de la France, avec un regard sur la France, qui est à la fois un regard, je le disais tout à l'heure, l'éloignement est un exhausteur d'amour, un regard amoureux. On a envie, parce qu'on l'aime cette France, on a envie de la changer. Mais il y a en même temps des choses qui sont tellement formidables, on a envie de dire aux Français, mais regardez, regardez par exemple la protection sociale que vous avez, vous ne vous en rendez même plus compte. Alors que quand on vit aux États-Unis, on voit à quel point la protection sociale en France est un trésor. Voilà, vous voyez, j'ai le sentiment à la fois de bâtir sur une feuille blanche finalement un système qui permet à la communauté française de se ressouder en Amérique du Nord et d'être aux côtés des Français pour les aider à investir, à s'engager et pour les aider aussi quand ils rencontrent des difficultés, mais dans le même temps à servir mon pays dont je crois qu'il a un magnifique avenir si au lieu de voir toujours tout en noir, on essayait de regarder les choses positives. Donc voilà, beaucoup de passion dans l'exercice de mon mandat de député représentant les Français d'Amérique du Nord, du Canada et des États-Unis. En tout cas, monsieur le député, c'est mon expérience d'expatrié, c'est en,
en allant à l'étranger qu'on mesure le génie français. Voilà. Et... Je partage votre avis. Et voilà. Tous les Français qui vivent loin de la France savent combien, et c'est sans doute ce qui les rend déçus de la politique en France, gauche-droite, hein, attention, je ne suis pas en train de dire gauche-droite, c'est que on gâche parfois tellement les chances de la France. Si on sortait des débats franco-français, si on arrêtait de se faire peur sur tout, si on essayait de regarder à quel point notre identité, notre culture, nos savoir-faire sont reconnus dans le monde entier, si on voyait à quel point, en termes d'innovation, notre jeunesse, nos ingénieurs, nos chercheurs sont considérés comme les meilleurs du monde, et qu'on investissait sur eux, la France serait mondiale et elle aurait un avenir extraordinaire. Et ça, avec tous les Français qui vivent loin de la France, et notamment dans cette circonscription formidable d'Amérique du Nord, j'ai envie de le faire partager aux Français de France, à tous les politiques de droite comme de gauche en France. C'est ce que j'essaye de faire à chaque occasion. Et si on veut s'appuyer sur les Français, vous savez, quand vous vous appuyez sur quelqu'un, si je m'appuie sur la table là, qui est devant moi, j'ai intérêt à ce qu'elle soit solide. C'est pour ça que mon devoir, il est d'essayer de solidifier la diaspora française à l'étranger, parce qu'ensuite la France pourra s'appuyer sur cette diaspora pour se développer dans le monde. Et je crois que si on comprend ça, la France a un bel avenir, et notre jeunesse aussi. Merci beaucoup Frédéric. Merci à tous nos spectateurs d'avoir assisté à cette première donc web permanence virtuelle organisée par un parlementaire. Nous vous rappelons que toutes vos questions peuvent être envoyées encore à conférence@frenchdistrict.com. Monsieur le député, je vous laisse conclure et encore merci. Bon, d'un mot, pour vraiment vous remercier, remercier les Français qui ont participé à cet exercice qui est nouveau. J'espère qu'il aura été pas décevant pour un certain nombre de gens qui attendaient peut-être des réponses plus pointues sur des sujets évidemment qui les concernent très directement. Mais moi, ce que je vous propose, puisque c'est finalement ce que je fais quand je fais des permanences physiques, beaucoup d'entre vous le savent, quand ils viennent me voir, il y a généralement une première partie où je reçois les gens en tête à tête et où on parle de leurs problèmes qu'on n'a pas à partager avec tout le monde et que j'essaye d'apporter des réponses et des solutions. Et puis, il y a les problèmes ensuite, on fait des petites réunions au consulat avec tous les gens qui sont venus, où j'essaye d'évoquer les questions transversales qui concernent tout le monde. Mais là, on vient d'évoquer les questions qui concernent tout le monde en répondant à des questions précises. Mais comme vous l'avez dit, tous les Français qui nous écoutent, qui veulent envoyer des questions précises sur les questions qu'on a évoquées, sur des sujets sur lesquels ils considéraient que je n'ai pas été assez précis, sur des sujets sur lesquels eux-mêmes ont besoin d'être éclairés, je prends l'engagement que chacun d'eux recevra une réponse de ma part. Donc, n'hésitez pas à me les transmettre toutes et je serais ravi que nous puissions renouveler cet exercice qui me paraît important dans une circonscription qui, je le rappelle, est 40 fois la taille de la France. Et donc, quand je passe 10 jours aux États-Unis et au Canada, je passe beaucoup de temps dans l'avion pour aller d'un point à un autre. Un énorme village de Gaulois. Énorme village de Gaulois. Merci encore Romain et merci à toute votre équipe. Merci Frédéric. Très bonne soirée.